CV. Paraît que vous avez un job pour moi. Exact. J'ai besoin d'un chauffeur. Mm-hmm. Et pour faire quoi, au juste? Ah, tu sais, les classiques. J'ai quelques courses à faire, des amis à passer voir. La routine, quoi. Écoute, je suis du genre direct, alors je vais te parler franchement. Il paraît que t'es la meilleure en ville. Perso, je travaille qu'avec les meilleurs. Et je sais que ça a un prix. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, parce que si ce qu'on m'a dit est vrai, t'es du genre à t'adapter à tout. Alors on va régler ça tout de suite. T'es à la hauteur? Ou on m'a mal renseigné? Ok, je marche. Japantown, devant l'entrée du marché. Donne des coups de klaxon et j'y viendrai. A plus, V. Salut, c'est toi, V? Oh, putain de merde! Ça répond pas à ma question. Ouais, c'est moi. Bien, alors on y va. On va où? À Little China. J'ai envie d'un poulet impérial. Extra piquant. Ça te gêne pas? Quoi? La grenade. Au milieu de ta tronche, tu sais. On s'habitue. Je dois juste faire gaffe à pas tirer sur la goupille quand je me cure le nez. C'est plutôt cool ici. Ça a bien changé. Tu viens d'où? Du Brésil. Tu sais, en Amérique du Sud... Je sais où c'est, merci. On sait jamais avec vous, les gringos. Les Tiger Claw, tu les connais? Comme tout le monde. T'as des potes chez eux? Non, pourquoi? Ça, je suis du genre curieux. On y est.
Attends-moi là et surtout laisse bien tourner le moteur. Tout ce chemin pour prendre à emporter? On peut dire ça. Putain, c'était quoi ça? T'as des grenades collées au cul aussi? Goûtez-moi ça, bande de connards! Ça aurait été encore mieux si tu m'avais expliqué ce que tu comptais faire dès le départ. C'est vrai ce qu'on dit sur toi. T'es balèze. Vraiment balèze. Dommage que t'aies un balai dans le cul. C'est là que nos chemins se séparent. Bonne chance, V. Et, détends-toi, ok? Et mon fric dans tout ça? T'énerve pas. Tiens, comme je te le disais, la qualité a un coût. Un de ces quatre, V. Oh, et... fais gaffe où tu mets ton nez. Ils ne sont même pas humains. Ce sont tous des zombies.